نزيد نمد لكم رقم واحد اخر ان اوتر شيفر كي لوي ميم في بور 43% اسمعني مليحه ان 18% اسمع مليح 18% دي فام شومور ان الجيري 18% des femmes chômeurs en Algérie sont prêtes à prendre un travail pénible ou insalubre. Même en savoir qu'à Fibledna, tellement la misérie est quatre ou la pauvreté est quatre, 18% des femmes chômeurs en Algérie, elles sont prêtes à prendre un travail pénible. Un pénible, je m'entends pénible ou insalubre. Je m'entends que fait un chka, fait un telvet, t'hammel, insalubre, ou un cache m'sach, ou un cache les conditions d'hygiène. 18% des chômeurs femmes algériennes. 43,7, yani 44% des hommes sont prêts à prendre un travail pénible ou insalubre. Yani ta chantier, ta hammel, ta drab, tu peux tuer ta santé ou insalubre dans des mauvaises conditions d'hygiène. Hadou al-Kham, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, yajma'a, belli les chômeurs algériens souffrent, belli il y a un tel réservoir de désespoir et de précarité que les jeunes algériens, notamment les chômeurs algériens, sont prêts à tous les sacrifices. 85% des chômeurs algériens sont prêts à travailler dans n'importe quel secteur d'activité. 85% sont prêts à travailler dans n'importe quel secteur d'activité. C'est-à-dire que Houma, Kadri, Sibl ou Khadma, Winjet. في الفلاحه يقول لك باش الفلاحه خدمه علاه ما كاش الفلاحه خلصوا فاتوا نونكيت يقول لك لي جون الجيري ما يحبوش الفلاحه علاه ما يحبوش الفلاحه باسكو ما كاش خلاص ما يخلصك بالتربوله ما يا با دو سيكوريتي سوسيال يا با دو اكسيتيرا ما كاش منها يا با دو ترافاي il n'y a pas de travail en Algérie on ne crée plus de l'emploi l'activité économique du pays depuis 2018-2019 elle est entièrement paralysée. La crise politique elle a déstabilisé le pays. J'ai la pandémie de la Covid-19, c'est elle qui est le bled. L'économie algérienne ne crée pas de richesse. Tous les chiffres, les jma'a, qui sont avancés par le gouvernement algérien concernant une croissance économique, elles sont fous. Ces chiffres-là sont fous. Si on avait autant de croissance économique, on n'aurait eu pas autant de chômage, pas autant de détresse, que les chômeurs algériens n'accepteraient pas de faire de travailler dans des conditions pénibles, pour des métiers insalubres, ou là, faire n'importe quoi, et être prêt à n'importe quoi, et aller le plus loin possible pour trouver un travail. Mais qu'est-ce que je mène là? Et nous, qu'est-ce que je mène là? Zéd en rochoubéd. Et je terminerai par ce point. Est-ce que les Algériens réellement ne veulent pas travailler? Que disent les enquêtes de terrain? Il faut croire aux chiffres, aux enquêtes sociologiques, aux enquêtes d'opinion, aux enquêtes de terrain qui sont faites selon les normes internationales. L'ONS, il a beaucoup de défauts. L'Office national des statistiques, il a beaucoup de défauts, il a beaucoup de déficiences. Mais, en ce qui concerne son travail, il est reconnu comme fiable par les instances internationales et le BIT, le Bureau international du travail, concernant les enquêtes sur le chômage, ils sont clairs, ils sont conformes. C'est des enquêtes qui sont faites selon les normes fixées par le Bureau international du travail. Et on peut pas dire que c'est des enquêtes truquées. La preuve. Oujigoul. La même enquête sur laquelle on s'est appuyé pour faire ce live-là et pour faire une série d'articles sur le site d'Algérie Part Plus, nous apprenons que uniquement 3,1% des Algériens âgés entre 16 ans et 59 ans ne veulent pas travailler. Quand on prend la population, parce que c'est quoi la population active? Normalement, on parle de population active. La population active, c'est la population qui travaille. Ou indique aussi un autre paramètre, c'est la population qui est en âge de travailler. Yani, même si elle travaille pas, elle peut travailler. Elle est en âge de travailler à partir de 16 ans jusqu'à 59 ans. Yani, 16 ans, l'âge de la majorité physique et mentale, même si c'est la majorité légale, elle est à partir de 18 ans, mais la majorité physique et mentale à partir de 16 ans, ou à 59 ans, avant la retraite. Les Algériens qui sont âgés entre 16 ans et 59 ans, uniquement 3% des hommes qui ne veulent pas travailler. ما نحبش نخدم وما نستعرفش ما نحبش نخدم 3% برك وراه هادو لي زالجيريان مش فنيانين و لي زالجيريان
ولا ده حرام ولي زالجيريان سي دي زيسكور اللي ضلوا يسبوا فينا وضلنا ولي بريجوجي لي زالجيريان ماشي تاع خدمه علاه اون اوروبا لي طونجي لي زالجيريان كخافاش بوركوا لي زالجيريان كونت ايزيمي كونت يحرقوا تلقاهم يخدموا ديروا لنا يخدم الاوبر يخدم الليفرر يخدم في الشونتي يقرا وزيد يخدم كل كلب وينج باش ينجح وعلى في بلاد الناس نخدموا وفي بلادنا ما نخدموش باسكو في بلادنا ما كاينش خدمه باسكو في بلادنا ليكونومي اني اون بان باسكو في بلادنا نو سون سي ان بيي بوفر اون بو با ترافايي لو كونت اون اي بوفر كونت يا كو دو لا بوفورتي بور كيلي دو ترافايي فو كيلي ان كرياسيون دو ريشيس سي تو كو ديز لي شيفر انكور اون فوا هادو في الارقام برك يا جماعه 18,2% des Algériens qui sont en âge de travailler n'ont pas cherché du travail parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a 18,2%, 18% presque 19% des Algériens qui sont en âge de travailler, les Algériens âgés encore une fois entre 16 ans et 59 ans, n'ont pas cherché du travail parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'emploi. Pourquoi ils pensent qu'il n'y a pas d'emploi? Parce qu'ils sont en train de se faire un tourage, ils sont dans des régions, dans des daïras, dans des wilayas, il n'y a pas d'usine. Il y a des wilayas, on y a un peu comme en Algérie, il y a des wilayas entières, il n'y a pas d'usine. Il y a des wilayas entières qui ont des commerces. Commerce ou beladiye, ou daïra, ou le commissariat ou les casernes. Les commissariats, les casernes et les prisons, on les trouve partout. Mais les usines, on les trouve pratiquement que dans certaines wilayas, qui sont du nord du pays. Mais à part Gardaïa, qui a une zone d'activité, Wurglada, qui a une zone d'activité, c'est son attraque, etc. Mais à part ça, il y a des régions entières, il n'y a pas d'usine. Où est-ce que tu as fait? Zid, 9,8% des Algériens n'ont pas cherché du travail parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un emploi dans le passé. Il y a presque 10% des Algériens n'ont pas non plus voulu chercher du travail, et ils ont désespéré parce que dans le passé, ils n'ont pas trouvé de travail. Donc, il y a un gars, il y a un sabre. ما لقاش خدمه خلاص الى ديبريمي القى قاعد عندك 21,6% des Algériens en âge de travail n'ont pas cherché d'emploi parce qu'ils sont en train de suivre une formation les étudiants les migrants la formation professionnelle اللي راهم يعاودوا في الباك هذوك ما نحسبوهمش 21,22% منهم c'est des étudiants etc c'est normal mais يقدرش يخدم même si ailleurs dans le monde on peut être étudiant et travailler en même temps معني 26% des Algériens qui sont en âge de travailler ne travaillent pas parce qu'ils ont des obligations familiales. Ou là, c'est surtout les femmes. Ah bah, comme l'emploi féminin en Algérie, il est très faible. Les femmes ne travaillent pas beaucoup en Algérie. Et c'est pour ça qu'elles sont les plus frappées par le chômage. Il n'y a pas beaucoup de travail féminin. On est l'un des pays arabes et africains qui a un taux d'emploi féminin très faible. On dit, où comme aller à une émission. On est déjà fait Algérie Park, dans des émissions, dans des décryptages, dans des articles. On est allé à هادو لي دوني انكور اون فوا كاس كي بروف بلي يا با دالجيريان فينيون بلي لالجيريان ني با فينيون بار ديفينيسيون ني با براكاسي بار ديفينيسيون بلي لالجيريان ا بيزوان نو تروف با دو ترافاي سي بور سا كي لينيور ولا كي نا با اون دو بون رابور افيك لا نوسيون دو ترافاي يا كومونتير يقولك سي كوا لا سوليسيون لا سوليسيون الي سامبل كريي دي امبلوا créer des richesses, développer le pays, faire de la croissance économique, au lieu de créer du chômage, en détruisant les entreprises privées, en mettant leurs patrons en prison, en cassant l'outil de production, en mélangeant entre la personne physique et la personne morale, créons des richesses, que l'État finance les entreprises, donnons des crédits bancaires à taux bonifié ou à zéro taux d'intérêt, finançons les projets innovants, finançons le privé algérien qui veut s'agrandir, développe, que l'État mette des milliards et des milliards dans des secteurs d'activité qui peuvent nous permettre d'exporter. Faisons une stratégie économique dans laquelle on dit, voilà dans quelle industrie on peut se positionner en Algérie, dans quelle industrie on peut apprendre, dans quelle industrie on peut ramener des investisseurs étrangers pour faire un transfert de technologie. Parce que le développement économique vient d'abord par l'industrie. Il n'y a pas des pays qui sont développés par l'agriculture, c'est faux. Il n'y a pas de pays qui sont développés pour l'agriculture. L'agriculture, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et encore, tous les pays du monde importent certains produits agricoles. Il n'y a aucun pays qui est autosuffisant à 100%. Les pays se sont développés par l'industrie. C'est pour ça qu'on parle de révolution industrielle. Les révolutions agricoles, c'est les pays états socialistes qui ont fait faillite. Il n'y a pas un grand pays qui est resté un grand pays pour la révolution agricole. C'est faux.
C'est la révolution industrielle. La révolution industrielle, ça veut dire quoi? Se doter d'industrie et fabriquer, transformer un produit naturel en produit manufacturier pour pouvoir avoir de la valeur ajoutée, donc de la technologie et l'exporter à l'étranger. C'est ça, c'est l'industrie qui fait. C'est l'industrie, même les services. Aujourd'hui, les services ont tendance à remplacer l'industrie. Ce qui n'est pas vrai à 100%. En Inde, par exemple, l'Inde essaye de se développer avec les services, c'est-à-dire avec l'informatique, l'offshoring, les centres d'appel, etc. Les services, tout ce qui n'est pas dans l'industrie, c'est-à-dire que ce n'est pas une des usines, ce n'est pas un processus de fabrication. Les services, c'est surtout l'assistance, le conseil, l'informatique, le web, les data centers, tout ça. Mais tout ça, l'Inde, par exemple, contrairement à la Chine, elle s'est enrichie parce qu'elle a fait de l'industrie. L'Inde, elle ne s'est pas encore enrichie, elle a encore beaucoup de problèmes socio-économique parce que les services n'arrivent pas à permettre à l'Inde de devenir une véritable puissance économique comme la Chine. C'est l'industrie. Maintenant, on parle d'industrie 2.0. Qui dit que l'industrie, mais je ne sais même pas les grands usines, qu'un bras. Non. Maintenant, l'industrie, on a fait l'hydrogène vert, on a fait les nouvelles sources d'énergie, on a fait les énergies renouvelables, on est en train de parler les voitures électriques. Mais c'est l'industrie. L'industrie. Si on n'arrive pas à industrialiser le pays, on ne va jamais réussir. On ne va jamais réussir. On ne va jamais se débarrasser du chômage. On ne va jamais se débarrasser de la misère sociale. Dans le passé, il y avait l'industrie lourde que l'Algérie a tenté d'expérimenter. Elle a réussi pendant quelques années à Boumediene. Elle s'est effondrée avec le choc pétrolier de 1986 à cause de la mauvaise gouvernance et à cause de la capacité de s'adapter aux mutations du monde. Mais on est obligé de revenir vers l'industrie. On ne peut pas développer un pays, les startups, l'internet, les services. Mais qu'est-ce que l'industrie. Le reste, c'est un luxe. Le reste, c'est même bête. Quand tu t'industrialises, comme la Chine, les Chinois, ils ont fait TikTok. Ils ont fait TikTok après avoir appris à faire la voiture, après avoir appris à faire des machines, après avoir appris à faire des trains, des TGV. Mais je dis au TikTok. Mais ça va cacher un pays qui se développe en créant TikTok. Il faut sortir de ces mythes, Yajmara. Essayez de partager au maximum, s'il vous plaît, pour partager ce message. J'espère que vous allez nous entendre. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah, pour une autre émission, un autre éclairage.